Gary Conny, mandé avec SWAT et puis UTAC, rete mobilisé. Udmo, tout est mis dans la police là, net depuis hier, yon jeune 4 blanche. Et m'bral ban nous étant m'bral information parce que y a des opérations qui parlent mener là avant l'arrivée de la MMS. M'bral ban nous toute information là, tout détail, qui nos opérations. Gary Conny, m'suis déterminé là pour la paix retourner dans le pays à mes amis. Bagal abral compliqué dans mes petits m'suis examio. Bagal abral red dans mes négos là. Sac pas le passé dans le jour là, c'est pas petit bagay petit que la pied. Et m'bral voye un message à la population qui vit dans mitan nèg yo. Bon me déraper parce que situation bral compliquée dans pays ya, pas gen la vie, pas espoir. Gary Conny encore monsieur souffleté tout nèg net dans classe politique senti yo. Nèg sa ou même depuis on pouvoir monter, ça cap dit bon tel ministère, ça cap oh attendre même pour directeur la police à la bataille qui était là. Et Gary Conny qui dit non et parti ça c'est élément clé pa yo et pas mai personne yo. Bon me déraper pays ya. Bral arrête là monsieur. Oh ah arrête là bon me déraper en tout cas. Et pour moi qui obtenais là, la police là était mobilisée. Matériel commence à décacheter. Ça qui passe exactement dans le pays là, pour une dérogation. Gary Conny bay en assurance. Assurance que Gary Conny bay. Gary Conny dit que lui-même, pendant que le vin premier ministre là, l'IPAP accepte aucun nèg vin voler ou bien vin fon bagay mal, vin détourner l'argent, vin nan corruption pendant que li sou pouvoir là. M'pral déraper, m'pral ban nou information. M'pral la très red. Bon toro, petit ça tellement parlé led, petit ça tellement bay problème. Je fais qu'on est que très bientôt la privé nan bloc Muscadet et la Brazil. Parce que nan fait mission m'pral quitter nous tande audio ça. Bon déraper pays ya. Parce que bagay yo. Bon, nous déraper. Pour moi qui ai attendu là, Gary Conny, qui est premier ministre pays, premier ministre nation, monsieur bay 4 blanches, j'ai annoncé ça depuis hier avec toute unité de la police là. Unité ça yo sous protection. L'aime dit protection qui ça me dit. C'est bien ça que m'a dit nous là pays. Protection ça, premièrement, première protection nèg yo c'est état d'urgence qui décrété sous pays a. Ça veut dire que dans moment état d'urgence ça l'a commencé à 6h pratiquement c'est à l'heure ça la police ta supposé mener opération qui donc ça commence à 6h depuis c'est dans moment état d'urgence l'opération démarrer toute sa police a faut pas ou pas poursuivre li. Ça c'est premier bagaille. Deuxièmement encore, Gary Conny lui-même, il va assurer avec tout policier yo, nous prenons mener des opérations, n'importe ça qui passe ici si pour arrêter, il a arrêté avant. C'est protection ça que le bail policier yo. Monsieur mettez policier en confiance. Monsieur dit policier yo, n'importe ça qui passe si y a bien pour arrêter, n'a pas arrêté avant. Monsieur dit ça vraiment fait le mal les la garde population qu'a fou fait là. Ça vraiment fait le mal les la garde population qu'a dormi dans la rue, qu'a dormi dans l'école, qu'a dormi non bio l'état dit ça vraiment fait le mal. Elle s'est menté. Faut que la vie reprenne dans pays là. Premier monde qu'a bien pour perdre poste c'est madame territoire perdu. Madame ça commence à faire paquet li là et li ta de la gué. D'après information qui rive jeune nous là tout et place et directeur la police là donc gros paquet nèg la moi k'ap soumettre non yo di mettre nèg nou ta remé après des débats politiques ba konn dit pa nan ba comme ça et li k'ap choisir li PM li pa besoin parti politique vinn faire choix pou li ay compliqué là ga konn y a soufflé té nèg yo et si ga konn y pa pri nèg la manger lui nan jou pral vinn là yo gen des opérations musclées qui pral mener opération garçon pa camper. Opération ça, depuis ou gen zam nan moun, bal, pap gen la vie pou pièce nèg ak zam. Bagay la pral compliqué nan jou pral vin la yo. Bagay la pral vraiment miel, maman petit pral mari vant. Kadav, jen garçon pral tankou lomango kap lote sou pil fatra. Nan jou pral vin la yo tellement que bagay ou pral red. Moi même moi pas poné rien, mais seul ça que m'ka di, an nou suiv. On nous suit parce que bagay yo pral red la bagay yo pral mangonmé nan jou pral vin la yo. Gou paquet négateur politique k'ap soumet nou. Mais qui est notre ami pou vin ministre justice? Mais qui ministre justice oui? Mais qui est notre ami qui pou vin ministre intérieur?
Gaye koni dil pa nan bagay kon sa, se li menm kap chwazi. Bagay neg ap di ou met nou tel moun pou men. Gaye koni di, pa gen bagay kon sa. Souflet. Ale di mou, jen chal tout nek sa ou la, yalan ba. An kade ti moun di sa ki tap vouye. E pon sou miskade, mwen chou bay miskade an, mwen sa bay presyon an tada avèm. Nan kout miskade yè, yè krasil, mwen krasil. Miskade bat gen chans pou jounou nek a 10,000 depil, san prev. E nou ba wèl la, nou boko wèl la. E na privé la, na privé la. Mèm ki pa nou mèm ki kive la, mè na privé la, mè nou boko wèl la. Fè de samtouna. Miskade tellement a blanchon kop sa la jaskoua ki lot bo lot fatra pa jdi yo. Kap di miskade, bon, bay avanyen la bay len pran posta la. Map gat miskade vini mesye. Miskade vou, nipot sik ti chak getap devan, getap pousse nou devan. Miskade ni menm kapi bo posta la fe video ni menm. Bito lot ti chak yo apese nan boudan wabezi kop la blanchi a jaskoua. Miskade vini, mwade miskade sik fon kout bal. Del devine, est-ce qu'il te donne un coup de balle petit? La miscade, ici. Elle finit tout, mes amis. Peuple là-bas, qui est miscade, qui a voulu monter, qui a dit pour mon grissier, on est grissier, à Dias de Ma, pour nous baguer avec ça en bas, nous. Nous baguer avec ça. Et nous baguer avec la petite tête en bas, mais nous. On prend innocent, on fusille, on va même pour avoir une famille. On va avoir une famille. Car le dernier pas même dans bandi mais est-ce que miskade confirmé que ils sont bandi dit non depuis miskade pas même forme tête ou dial si yo men en fait autant il a fait travail puis comment est-ce même de décembre pas non encore non comment est-ce besoin moi la ba miskade et pour transfert la miskade et pour ce même bail pour qui ça men miskade a pédé tirer malheureuse ou est mal bandi ou est bandi. Bon, l'on fait ça, vous, ils ont fait ça. Ah, vous, pas un coup de bandit, oui. M'dou ça encore, pas un coup de bandit, hein? Est-ce qu'il y a un bonjour, un fort bonjour, oui. Imposé. On a dit, m'dit tout ça. Si bébé, vous, quoi, qui, c'est un bonjour, un fort bonjour. Vous voyez? Comme moi, et semblant faire ce réseau, oui. Blanchi ko ba jaskoua, la sa ma pou ekibou ap, so ap gintan gidi jaskoua, so yin. Miskade ti yon ek grisye, se ou, nou mèm wè. Miskade nou mèm nou ba fokou emouti, yon ba jode nou miskade. Wè di bon ap diba kon kote ndiba ki pa goufe na fè lobe na fè chawè. Ade, na fè lobe na fè chawè. A écouter ni un tout match qui nous chef nous ramène et n'a boule n'a brisé. Allez, comme moi, on paquet pep qui doit bosser à côté ça. Eh bien, bon côté la Russie pour pas dire équipe Vladimir Poutine, non, eh bien, qui fait des déclarations extrêmement importantes, mesdames, messieurs. Déclaration gouvernement russe, eh bien, qui change de données là, évidemment, gouvernement américain pour pas dire département d'État, eh bien, y a attendu, y a sous écoute, y a vu tout ça qui a passé là. Les nous dit avion qui a débarqué en Haïti, soi-disant Kenya, tout ça, c'est du camouflage. Il y a un gros enjeu qui est là pour partir dans les Caraïbes, spécialement la Caraïbe par nous, Haïti chéri. Sans côté, mesdames, messieurs, évidemment, nous n'avons pas le choix de parler de leader et panouan que nous remet en pile, Guy Philippe. Évidemment, nous pourrons toucher dossier ça pour vous, mais nous avons beaucoup de questions et coulèvent cette tête-là. Et bien, il y a un gros conflit là, mes amis, c'est parti, bagaille petit. Mais avant ça, bon salut Salomon, Lionel, Guy. Monsieur, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Jimmy, bonsoir Léonel, on a salué Guy, chérie Marie qui est déjà présent ensemble avec nous pour nous parler de questions géopolitiques là. On a parlé tout en internet, en monde a fait bon suivi. Je dis à tes, pourquoi pas jeudi 6 juin 2024, encore une fois, Léonel, comment est-ce? Bonsoir et Salomon, et bonsoir et Jimmy VDG Panou, et pourquoi pas Guy qui est avec nous, auditeur, auditeur, ça m'a fait bon suivi, comme d'habitude, encore une façon, plaisir. Eh bien, nous, là, Jimmy, dans le cas d'actualité, eh bien, gros tension, nous, là, il est là aussi, les États-Unis, eh bien, nous, là, tout, Jimmy, gros conflit qui déjà éclaté là, et nous, le secrétariat primat, il a déjà demandé
avec l'équipe Ariel Henry pour qu'ils soient capables de remettre tout le matériel, les véhicules qui sont à la possession. Et bien, en ce moment-là, nous avons une équipe qui a sauté, une équipe qui a rentré. Et bien, déjà là, c'est le bail à l'administration. Et personnalité qui est occupée pour le match là, jusqu'à 48 heures de temps, pour que remettre tout le véhicule. Donc, est-ce qu'il y a besoin de remettre ou est-ce qu'il y a un code qui a bail? Mais nous avons une tension là au sein du conseil présidentiel et sans oublier. Et Galconi, qui encore une fois met une position, pas rien fait, pas rien avec sa pièce, et bien, c'est 13 ministères maximum qui a gagné, en plus, souillé, Moïse Jean-Charles, Péterel, Moïse Jean-Charles, c'est espéré pour bien plus de ministères, ensemble des présidents de la Haïti, encore une fois, nous saluer, et bien, et Guy, et pourquoi pas Salomon, qui est avec nous. Bonsoir, Bradel, bonsoir Salomon, bonsoir Jimmy, bonsoir Haïti, bonsoir Chantal Lagarde. Donc, comme nous déjà, avons presque tout les grands titres déjà, nous saluons. Donc, maintenant, Jimmy ouvre le débat pour nous parler de la politique internationale et pour nous faire quelques analyses sur la politique nationale. De ce qui a passé dans le monde politique là et ce qui a passé là en Haïti. Eh bien. N'a pas de tout droit dans Guy, n'a pas quitté Haïti, pourquoi pas continent Amérique là, nous pouvons trouver tout droit dans le continent européen là. Qui s'est gagné en pile question depuis Ayala, Rive Martin là, nous capables de dire la Russie avec Vladimir Poutine, et même mis une grosse déclaration qui tremblait le monde. La Russie a préparé pour le voyer avion, navi de guerre dans la région Caraïbe là, selon responsable américain cité par Miami Herald. Selon Washington, Moscou entreprenant manœuvre en tant que message en réponse à décision américaine pour autoriser l'utilisation d'armes par Ukraine dans la guerre contre la Russie. Vladimir Poutine, bon côté parlant, c'est estomacé, il parlait, il fallait bien atteindre, il fermentait sous ville. Si les États-Unis ont été mal alimentés, mais Zamba est là, et Ukraine, pas Ukraine, et bien dans le continent européen, il y a un pile d'hommes avec des pays qui font, et bien oui, là, pourquoi pas dans le continent européen, et pourquoi pas même en Amérique là. Nous, et bien là, la Vladimir Poutine qui a préparé là, et bien c'est fermenté, et bien dans le jour qui a venu là, et nous sommes capables de garder ensemble des pays qui font, et pourquoi pas, et là aussi, le Caraïbe là, nous parlons de Nicaragua, Venezuela, et pourquoi pas Cuba. Nous connaissons, c'est bon, nous tapons par Haïti, et nous te connaissons. Et bien, il y a un pile grosse déclaration, surtout par Guy Chérie-Marie, qui te fait, et là, il te déparle par rapport à l'Américain. Il y a senti, il y a des mercenaires, oui, ça. Pourquoi pas qu'il y a des whisky en Haïti qui ont préparé, ils ont inventé un débattement whisky en d'appayant. Et bien, c'est pour ça, les États-Unis prennent des ventes pour y mettre une base militaire américaine. Et bien, ils ont proposé Kenya qui a venu là. Qui ça a fait ça? Nous, ouais, bah, on a changé sans entendre après nous, ouais. Et bien, la mort, et comme on dit, président iranien, après l'attaque qui se fait ça. Mais Gaza se fait sous Palestine. Et bien, comme on dit, guerre Ukraine avec la Russie, il est capable de prendre l'autre tourné là, et bien, il est capable d'entrer dans le continent américain, pourquoi pas, lui passer par l'autre état là. Est-ce que finalement, oui, et bien, si et bien, les États-Unis continuent alimenter Ukraine avec Zaman, est-ce que Vladimir Poutine, je le déclare, et bien là, il prêt pour voir avion de guerre, navi de guerre dans le réseau Caraïbe là, c'est le responsable. Et au prêt pour alimenter des pays de Caraïbe là, des moyens là pour contrecarrer par un fort temps, nous allons parler autorités américaines. Est-ce que finalement, nous allons dire, Joe Biden va l'embouleverser dans le financement année 2024. Là, nous voyons Vladimir Poutine lui-même qui déclare la guerre et si et seulement si. Parmi les batailles ukrainiennes, la mer noire, et nous allons parler de Guy, la mer noire, qui est au parti tout. Et même nous connaissons les questions et la Russie est perdue. La question de guerre, Union Soviétique, Union Soviétique. L'autre technique de guerre, Union Soviétique, là, par rapport à l'USSR,
nous la Russie te va dire en pile territoire. Mais qu'ils ont guerre Ukraine la Russie, et mais nous la Russie s'est commencé à récupérer en pile territoire et que les pays la Russie commencer à battre pour mettre même les sur. Et nous connaissons ça débat en pile problème. Mais avec question Ukraine, et mais nous avons des pays là qui a porté mais pas solidarité avec la Russie avec Ukraine. Faire pousser la Russie. On paye tout pour Finlande, c'est en pile pression pour entrer dans l'OTAN. Est-ce que finalement, mais nous sommes capables de dire la Russie, Vladimir Poutine, a finalement récupéré ensemble des territoires que la Russie était perdue dans la guerre et la guerre pendant, ou bien finalement, est-ce que Vladimir Poutine a une capacité pour renforcer, nous allons parler ensemble des pays de Caraïbes blancs qui pourront dire et Marie comme lui. Et nous saluons Jimmy, on le fera, nous saluons Salomon, Bradel, tout, et collègues. Pourquoi les gens Léonel qui là, Léonel. Léonel, ok. Bradel là, voilà, vous avez un peu de Bradel. Et Bradel où là, Bradel. Donc, voilà. Donc, je pense que il y a une plus grosse opportunité et population mondiale là, c'est le branché sur Chanel Digital, côté que vous jouez, on est pour Salomon, on est pour Jimmy, on est pour Adèle, on est pour Léonel, on est pour Richardson. Nous-mêmes, là, nous parlons, ça nous ouais, aucun monde pas quoi ouais. Et analyse nous, il a toujours duré 2-3 mois, c'est par la suite, tout le monde va commencer à ressaisir, parce que, semaine dernière, Salomon était. Et à parler des questions Kenya, et puis on pas quelques monde qui peut-être pas corrompre, et pas corrompre tout net. Et là, quand on voit les réalités politiques là, on peut peut-être un problème de maturité. Fait qu'il y a des crimes mal, et puis on dit n'a pas tiré gang. Mais quand le monde est bon, après 10 minutes, on a fait un constat, il n'est pas bien évident. Et il y a plus de ça dans les choses à venir. Et je pense que ça peut être tout. Parce que m'a dit, et ça a environ un mois et demi, ou bien deux mois, je pense que ça va gagner deux mois. M'a dit, l'intervention qui est là, c'est une bataille de prévention. Les États-Unis d'Amérique viennent faire. Et m'a souligné, pour intellectuel mal comprendre, pour intellectuel malhonnête, méchant Haïti qui est là-dedans. De monde qui dit ça ici, mais qui a gagné en haut avec l'intérêt pays. M'a dit, il y a un petit gros cadeau. Nous chef d'État fait nous arrivons à cadeau nous fait Haïti, c'est la lettre de créance que le président Jovenel est arrivé à faire la fédération ici et qui va nous créer une autre coopération et gagnant-gagnant. C'est la coopération de la fédération ici. Et c'est la lettre de créance qui pourra causer tous les dégâts que nous connaissons qui créent. Tout crier, tout cas de mortalité nous gagne par la suite, c'est avec la lettre de créance et de la fédération ici. C'est ça qui débat le 21 juin 2021 et le président Jovenel va mourir 7 juillet 2021. Vous avez dit ça? Là aussi, avec le montée de la fédération ici, avec tout ça qui vient sur le plan militaire, toute technologie, des points qui ont gagné, ils viennent arriver. Satisfait de capacité actionnelle que vous avez. Maintenant, vous avez l'autre gros bataille qui est une bataille géopolitique. Vous allez en Afrique, et spécialement en Afrique de l'Ouest, nous avons comment vous imposer avec et Wagner, appuyé par un ancien chef cuisine, Vladimir Poutine, de gagner en l'occurrence et de l'origine. Je ne sais pas là, il est mort, mais tout comme ça. Maintenant, vous avez là, Poutine continue avec bataille Wagner là, avec deuxième personnage là, en l'occurrence Lotus, c'est deuxième personnage, et après Prigogine. Mais la question, sa question est aujourd'hui. L'aide de créer le président Jovenel, qui est créé à la fédération ici, il crée une porte ouverte, côté que là où il y a accès sur le sol noir. Pas oublié. Rivé là aussi, la fédération ici, en Afrique de l'Ouest, qui ça y est? Non seulement Poutine porte le boulot, mais Poutine ouvre les yeux et tout, avec une série de grands scientifiques
on sait de vraies technologies de près qui a clairé en bataille. Nous clairé en bataille, il y aurait gain l'or, il y aurait gain diamant. Nous clairé en bataille, il y aurait gain pile pétrole. Nous clairé en bataille, il y aurait gain pile uranium. Nous clairé en bataille, il y aurait gain pile plutonium. En pile pile ressources naturelles. Mais maintenant, ça a une inquiété. Oui, ça a une inquiété Occident. Et puisque vient inquiéter Occident, ça va le pousser et président français, hein, qui n'est pas d'accord du tout dans le commencement de la guerre Ukraine, entre dans la guerre. Tout de suite, Macron va déclarer la guerre à la Fédération ici. Finalement, Poutine prend Mali en main. Poutine prend Burkina Faso en main. Poutine prend Niger en main. Mais quand on a l'histoire, il déclare une guerre ouverte avec la Fédération ici. Mais donc, c'est ça la question à venir pour nous autres en Haïti. Les décrets de Jovenel Finbaye là, ils viennent bailler Vladimir Poutine pied sous sol là. Et puisque la Fédération russe vient pied sous sol là, bataille géopolitique a vu nous compter pour nous et vu nous compter pour la Fédération russe. Les États-Unis qui ont plus de 200 ans, 220 ans fait politique en Haïti, 200 ans à fouler droit de balles. Population haïtienne. 200 ans de dictée politique, 200 ans d'exploitation, 200 ans d'ironie. Avec arrivée instructeur, avec arrivée technicien, Fédération Russie en Haïti, maintenant qu'on y a là, il vient une bataille de dissuasion. Ça va demander rapidement traiter avec Ariel pour Ariel signer. Pour entrer en Haïti, pour venir mettre une plus grosse base militaire en Haïti. Alors, il y a des analystes qui font, il a briqué, il a dit que c'est base 201, base qui n'a pas eu Niger, la base des drones. Une plus grosse base drone les États-Unis, c'est Niger. Il a briqué cette base-là qui négocie, parce que le président Niger, là, le président Niger a demandé pour déplacer la base-là en Niger. Maintenant, il a briqué la base-là, c'est l'Igvina. Et quel autre bagage qui parle toujours à côté des bases là? Mais ça veut dire qui ça? Ça veut dire, je veux dire, c'est extrêmement important. C'est pas pour ça raison. Et dans l'émission avant hier, là, nous demandons pour sauver les Yassin, de Jérémy, depuis des Signal, de Caille, spécialement pour ça, lui, depuis des Deonet, Sud-Est, depuis des Ketel, Sud-Est, depuis des Aodo, bien-aimé, Neg Nord, tout Neg Sayo, qui c'est bras droit Ariel, sénateur Don Tato, sénateur Ricard Pierre. Il y a une explication pour la nation, parce que il pas très bonne personne. Mais ça, il y a des très bonnes relations avec Ariel. La valasse dans toute colle, c'est Ariel. PHTK dans toute colle, c'est avec Ariel. Et le moitié des petites détalines, c'est avec Ariel. Mais maintenant, je dis, il y a une bagaille qui est importante pour chaque grand citoyen ici, capteur de l'après-midi. Il y a une question pour nous poser tête. Non. Contre ça, dis ça. Qui explication équipe Ariel là avec tout Ariel Kabay, population haïtienne? Nous subissons une deuxième occupation plus brutale que 1915. Mais peut-être. Nous jouons à venir, nous tout bas, côté secret, c'est caché. Bon, Guy, nous jouons à venir. Bon, bon, pose une question, ça, Guy. Mais la question que la Kounia, là. Bon, pose une question, ça. Nous jouons à bataille pour éviter. Là aussi, vous mettez base là. Et venez base là aussi, là. Base militaire là aussi, là, avec les Wagner. Les États-Unis d'Amérique trouvent que son déception politique et diplomatique là, vieille boule. Ok. Pour raison ça, il vient installer là, sans aucune explication. Et ça veut dire, dernier article qui sorti là, c'est pas un article qui était comme j'aime sorti, là, nous avons parlé de ça, parce que nous avons 6 semaines, nous avons 7 semaines. Mais nous t'as dit, non, c'est pas une question de Kenya, non, là, c'est pas une question de Kenya. Avion, nous. Non, pas une question de Kenya. Pour nous comprendre. Salomon t'a dit ça. Voilà. Pas une question de Kenya, là, dis-nous là.
son jeu politique extrêmement dangereux qu'a fait là. Et pas plaisant qui vient là. Maintenant, l'OTAN crée tout dernier effort pour nous assister en troisième guerre mondiale. Et Poutine même déclaré, il dit, c'est peut-être la fin de la civilisation, de cette civilisation. Maintenant, qui ça Poutine a fait? Poutine a créé moyen pour l'approcher là des États-Unis. Ou là, il y a un film préparé toute base au Venezuela, toute base au Cuba, toute base en fait de côté, mais quand il y a Haïti, son pays qui est extrêmement important pour nous. Et à titre d'exemple, Poutine déplacé, il y a 22 plus gros sous-marins nucléaires, approvisionnés nucléaires, pour la météo à côté Algérie. Et distance Algérie avec la France, comme on a répété déjà la semaine dernière, c'est 2000 km à vol d'oiseau, environ 1500 km. Et de là aussi, à la France, il y a environ 7252 km. Ça veut dire que c'est bataille stratégique en fait là. Tout une a dégagé pour mettre vibré. N'importe quoi passé, ça veut dire je dis là, avec eux on est du bâton, on va passer ta bataille nucléaire, tout le monde n'est pas dans la bataille nucléaire. Parce que si danger qui est là, c'est base militaire là aussi, l'Amérique est là. Ça veut dire n'importe quoi nucléaire, nous avons une guerre nucléaire. Ça fait 220 ans sans manger, 220 ans sans chômage, 220 ans sans logement, 220 ans sans éducation, 220 ans sans centre de santé, 220 ans sans tout loisir. Mais je dis là, pour entrer avec, mais ailleurs avec tout un petit équipe de députés sénateurs la balance, avec Pierre Tekao. Mais entrer avec nous, je viens avec une base militaire là, dans Figuino, avec n'importe bataille nucléaire qui déclenche là, nous avons touché des missiles intercontinentaux, parce que là, Haïti nous représente un cible avec base militaire américaine. Bon, une seconde, monsieur. Juste une seconde. Et présent, mesdames, messieurs, nous avons gardé sur l'écran l'aide de créance que le président Jovenel te baille à la Russie. Bon, ok, je dis à la, est-ce que, par exemple, c'est des questions à poser, est-ce que l'aide de créance, ça, il y a une date d'expiration? Est-ce que c'est une lettre de créance et on nous dit pendant un nombre de temps? Parce que là, nous, on marché pressé là, c'est pour ça qu'on a un conseil, il y a besoin de mettre un président, il y a besoin de mettre un premier ministre, ou on marché pressé. Mais est-ce que, imagine, nous avons gardé sur l'écran là, l'aide de créance, ça, qui était à la Russie, hein? Est-ce qu'elle a une date d'expiration selon ou même Egui? Ou son bail à vie? Non, son relation établie. Son relation bilatérale établie. Il n'y a pas de date. Ok. C'est presque les mêmes gens. Ou quand il y a un problème, quand il y a un fâché qui produit, quand il y a un inconvénient, pas de pays à pays, ça, ou à provoquer l'ambassade qui accrédite en Haïti. S'il le faut, vous mettez le dehors, mais pour convoquer, pour qu'on ait de quoi il en est. Quand vous êtes passé dans le pays Mauritanie avec Mali, ambassadeur, vous convoquez ambassadeur mauritanien qui est dans le pays Mali. Elle dit, c'est le même genre, si vous avez un problème qui passe entre Iran avec les États-Unis, le président iranien a convoqué l'ambassadeur américain, mais pas gagné de différence. Est-ce que vous comprenez? Alors, même si pas gagné de différence, et la relation diplomatique là, il est capable de boiter. Mais la relation entre pays toujours existe. Et Jimmy, juste avant de nous reprendre l'information, Guy, Gagné et Vladimir Poutine qui allait plus loin à faire des questions et dans la ville de guerre que lui prévoit et voyer là dans des pays. Et on dit en Amérique et dans Caraïbes là ou en Europe et ou Vladimir Poutine qui a affirmé que mercredi hier mercredi il a affirmé que question Donald Trump là après juridique il y a les mêmes dans question politique interne des États-Unis ou Vladimir Poutine qui pourrait boucher dans dossier là lui dit nos listes politiques en démocrate avec républicain avant élection présidentielle américaine non le mois de novembre non il est évident dans le monde entier que poursuit yon contre yon plan, en particulier devant tribunal, sous accusation qui a développé sous base événement, qui a voulu, et bien yon parle des années sans preuve directement. Vladimir Poutine a parlé. Lui-même dit, utilisation du système judiciaire dans le cadre yon lit politique interne. Détail Vladimir Poutine, entretien, pour Vladimir Poutine, c'est cadre politique,
que démocratie a fait avec un Donald Trump, pas rien là-dedans encore. Information, c'est qu'il allait avant nous entrer avec un Pradel, avec Léonel, qui déjà là, et bien c'est que, mais Vladimir Poutine, et bien qui déclarait hier, nous sommes dit, nous avons une interview qu'il a avec un média russe. Et bien, si les États-Unis, ça a démarré pour alimenter l'Ukraine avec Zaman, ou bien missile, non, jusqu'à venir là, ils ont même un bon côté de yo. Il a frappé très fort. Il a préparé pour envoyer des navires de guerre dans la région Caraïbes là. Selon responsable américain, c'est pas Miami et Wallan, Miami Wallan, et selon Washington, Moscou, qui entreprend manœuvre avec un message, réponse à une décision américaine autorisée, utilisation d'armes par Ukraine dans la guerre contre la Russie, nous avons Vladimir Poutine, sans seulement lui prévoir envoyer avions et navires de guerre dans la région Caraïbes là. Pour commenter les États-Unis et même en Europe, et même pour éboucher dans la question politique interne, les États-Unis, Pradel, comment est avant de mettre Pradel, avant de prendre Pradel, je voulais que Salomon fasse. Et la question relation entre, alors, la question politique américaine entre Donald Trump avec Biden, Biden interdit TikTok par rapport à l'influence de la Chine et à travers les États-Unis. Voilà que pour Trump lui-même, hein, pour Trump servir dans ces décisions Biden, non? Trump lui-même, il dit pas grand rien, il va aucun problème à TikTok, c'est lui le président, et TikTok a accord là-bas la mode. Il dit c'est rétablir, vous cherchez rétablir les relations des amis entre la Chine avec les États-Unis, c'est ça qui est important. Et deuxièmement, il dit que la bataille qui gagne entre la Palestine et l'Israël, là, son bataille lui-même, rivé à la présidence, la campagne guerre. Lui répète le même pour la question de l'Ukraine et de la Russie. Alors, avant nous, je vais parler de lui, mais parler de lui qui est porté pour Salomon et pour nous additionner, c'est le niveau de dissuasion et l'armée russe avec une série de technologies extrêmement intéressantes. Ouais, parce que les États-Unis essaient une série de gros appareils militaires qui sont très importants, comme si tellement cher que tout pays dans le monde a fait acheter. C'est pas arrivé en Syrie, dans la Syrie. Vladimir Poutine, tout le monde qui a utilisé une série de matériel militaire. Et avec entrée en Ukraine, non. Mais donc, on a longé plus de 32 pays de manière ouverte. 32 pays, 32 technologies, 32 diplomatie qu'en face la Fédération Russie en Ukraine. Et papa, il petit là. Et malgré ça, Poutine arrive à écraser la ville de Bakhmut. Une grande ville très stratégique, Ukraine de gagner. Deuxième ville stratégique encore, c'est la ville de Soledad. Et il y a pour nous souligner. L'armée russe, là, malgré avec appareil militaire, il n'a pas pris un succès du 24 février pour arriver jusqu'au mois de décembre. Son œil de prisonniers, Prigozhine prend pour l'obtention de victoire. Mais ça veut dire qui ça? Déploie un série de matériel militaire là, dans les Caraïbes là, il voulait dire exactement ça veut dire, et nous devons préparer nous parce que probablement, Kagon bataille, Kagon guerre nucléaire dans le monde. Bon, et je pense que Salomon Guy, c'est des informations pertinentes de la mesure où, ça y a un débarquement, l'armée russe, non, et Caraïbes là, et bien, capable de zin, c'est capable éventuel, et troisième guerre mondiale, on a rappelé aussi, depuis que l'armée vient dans le monde, l'armée russe qui gagne environ et 555 000 soldats, et l'armée américaine qui gagne environ 1 281 900 soldats, et sans oublier la Chine également qui gagne environ 2 millions de soldats et sans oublier tout l'armée. Et donc ça veut dire, nous en face à cette situation là, et il ne faut pas oublier, quand les riches font la guerre, c'est pour la destruction des pauvres. Qui capacité de résistance même nous gagnons, parce que là, et bien pas oublier, première, deuxième guerre mondiale, près de un tiers de la population mondiale est arrivée détruite, et bien pas oublier, c'est le monde qui n'a même qu'à manger, qui cap passer en vent, alors que les gens qui ont une capacité de protection, ils ont monté dans la ligne, ils ont descendu en bas en mer, alors que nous-mêmes, nous sommes dépourvus de tous, même manger, ne pas manger. Prenez, on continue.
Monsieur, nous allons quitter ça quelques minutes. Guys, nous allons quitter ça quelques minutes pour nous avancer avec l'autre dossier. Et mesdames, messieurs, pendant que nous avons demandé de prendre responsabilité, nous, et nous-mêmes, bon, ici, nous avons demandé de nous. Et spécialement, nous avons commencé à faire ça, c'est pour nous pousser, continuer à faire, c'est pour nous boycotter la République dominicaine, mesdames, messieurs, c'est pour nous boycotter. Et moi, je connais, moi, toujours dis-nous ça, pendant l'époque là, aller au Cap, aller dans le Grand Nord, si nous ne pouvons pas aller à Port-au-Prince, et par rapport à la sécurité, mais que son République dominicaine, coupez-moi ça sec, je ne vais pas aller en République dominicaine, parce qu'il y a l'autre désordre qu'a fait là. Passeport haïtien, et bien, pas qu'à utiliser la République dominicaine, même ou même qui est dans la diaspora. Ça, faut que nous dénoncer ça et faut que nous poser des actions au plus haut niveau. Monsieur, pour information, ça pour nous. Et évidemment, Jimmy, nous avons commencé avec information ça, que nous avons une déception pour les Haïtiens qui ont même été en destination à la République dominicaine, qui ont justement fait escale en République dominicaine. Et bien, côté que la République dominicaine a décidé, malgré Haïti sa yo, yo gen, gen la de yo ki genyen, ki genyen 4 résidents. C'est des résidents américains, mais des nationalités haïtiennes, yo, yo fait retourner. Et bien, réservation que vous faites à sa billet d'avion, et bien, dit, yo fait retourner dans l'aéroport là, yo dit, Haïtien, papile territoire dominicain. Voilà, yon pile Haïtien a dit, kap soti Curaçao, kap soti Bahamas, kap soti plusieurs autres pays qui t'avaient fait scale en passant par la République dominicaine, et bien, la République dominicaine, l'arrivée. La réélection de Luis Abinadel de souffleter et tout le peuple haïtien pendant qu'il prend décision ça parce que faut que nous ben on réponse et désormais faut que nous ça prouver la République dominicaine ne pas aimer nous et faut que nous dégager nous pour nous presque en figue nous pour que pays nous capable reconstruire pour que nous capable retrouver fierté que nous avons été perdu depuis longtemps par la dimension honte côté que yo humilié des haïtiens dans les portes là la dimension.